Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la rubrique qui c'est Gérer Mental. Jodi, moi profiter pour me remercier et féliciter chaque nouveau abonné nous yo et aussi féliciter ou même qui prend l'abonné pour la première fois ensemble avec nous dans Gérer Mental. C'est ça que jodi, moi venir avec un sujet qui très intéressant parce que sujet ça li concerne ni moi-même ni vous-même quel que soit niveau intellectuel ou monde, quel que soit rang social ou et bien quel que soit l'âge ou sujet ça li concerne ou. C'est qui sujet lié? Eh bien, je dis, nous pourrons parler de émotion. Qui ça nous pourrons voir dans la rubrique je dis, nous pourrons voir qui ça émotion, nous pourrons voir différents types d'émotions. Et nous pourrons voir tout qui ça émotion raquette là. On nous aller rapidement par définition qui ça émotion. En fait, en pile définition concernant émotion. Mais cependant, tout professionnel dans domaine santé mentale yo fini pas d'accord avec émotion ça yo dit émotion c'est des ressentis que moi-même ensemble avons nous gagner les nous fin vivre une situation que situation li agréable que situation li désagréable et bien nous pral gagner des ressentis par rapport avec situation et bien ressenti ça yo c'est eux-mêmes yo relé les émotions kounya question qu'a posé tête tout combien émotions qui gagner. Autrefois, yo te kon pale de 4 grandes émotions, ou du moins 4 émotions principales, ou du moins tout 4 émotions de base. Dans moment m'a parlé avec ou là, un pile chercheur, un pile auteur qui travaille dans le domaine de la santé mentale, yo fini pas d'accord pour yo di gagner 6 émotions de base. Ça veut dire que yo ajouté 2 autres émotions dans émotions de base yo. Par exemple, nous avons un auteur qui est Paul Ekman, qui travaille en pile la notion ça et sur la sur les émotions. Eh bien, il dit qu'il y a 6 émotions de base. Qui émotion ça y est? C'est la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise. Donc, c'est 6 émotions de base que moi-même, ensemble avec nous, gagnons et nous finissons vivre une situation. Quand il y a émotion ça y est. Si gen émotion de base, c'est sûr gen émotion secondaire. On capable dire émotion de base ou du moins émotion principale. Et aussi gen l'autre émotion qui c'est émotion secondaire. Je dis nous pas vraiment parler de émotion secondaire parce que yo en pile. Mais cependant, en dans émotion de base yo ou ka jwenn plusieurs l'autre émotion qui découlait de chaque grande émotion ça yo. Un nou pour exemple bien simple. La situation côté que ou fin vive une situation qui fait peur en pile. Généralement, les nous vivons une situation côté que nous peur et bien côté que la vie nous en danger et bien que sentiment ou du moins ressenti que nous gagne c'est la peur. Mais cependant, les nous peur nous pas seulement peur mais nous gagne l'autre émotion qui entrait ou soit qui découlait de émotion ça de grande émotion ça qui c'est la peur. Par exemple les on monde peur li angoisse tout donc la peur là li vin émotion principale là ou du moins émotion de base là et puis angoisse là li vin émotion secondaire. Donc émotion principale là c'est grande émotion hein? Émotion secondaire là c'est petite émotion que vous joignez en dedans émotion principale là. Il fait sens pour vous, ouais. OK. On va aller kounya pour nous parler de émotion raquette. C'est sûr un peu nous habitué avec moi parce que quand dit tel son raquette. Eh bien les presque même gens tout parce que émotion de raquette là son émotion qui prend place une autre émotion. Ça veut dire. Donc on nous prend un exemple bien simple. Ou j'ai une émotion ça en pile la kay fille, ou j'ai une ka garçon tout oui, mais n'a pris exemple kay fille. Généralement, les filles vivent une situation par exemple injustice, au lieu que pour ta manifester émotion ça qui c'est la colère, eh bien ouais, c'est crier, c'est la tristesse qui vient. Donc ça veut dire que émotion raquette là son émotion qui prend place émotion normale là. Donc son émotion qui pas ta supposé là mais c'est lui même qui prend place émotion qui ta supposé là. Par exemple, mon colère, mon situation qui mettait mon colère au lieu que pour me ta manifester des signes, des symptômes qui pour montrer que mon colère, moi manifester des signes et des symptômes qui montrer que moi triste.
Donc, tristesse là vient prendre place émotion normale là qui c'est la colère là. Donc, ça veut dire émotion raquette là sont émotions qui prennent place une l'autre émotion. Donc, nous devons faire attention ensemble avec émotion nous pour ne pas quitter ou prendre place l'autre émotion yo, parce que symptômes yo, signes yo différents. Donc, et moi pour parler nous connait de une émotion ça yo qui c'est la colère. Après, nous pral gagner l'autre professionnel dans le domaine de la santé mentale qui pral venir ensemble avec l'autre information pour nous sur les émotions. Donc, connait on va parler nous de émotion ça qui c'est la colère, qui ça lié, c'est quoi et qui gens li manifester et qui les un monde ou capable gagner émotion ça. En fait, émotion ça qui c'est la colère là sont émotions quel que soit mon ouïe ou gagnel, de qui l'est ou capable en colère. Généralement, yon mon en colère, c'est lorsque l'y a fait face avec yon injustice. Comme si yon mon fait un bagali pas doué faire, yon mon dit ou yon bagali pas doué dire, yon mon agit en façon li pas doué agir avec, donc ça capable mettre ou en colère. Eh bien, lorsque on en colère, qui j'en colère, ça l'y manifeste. Eh bien, généralement, les nous en colère, gagne naturellement une forte poussée d'énergie qui naturelle la kay chagrin moun. Donc, par contre, que yon moun li en colère, gon façon que l'y réagit, eh bien, ou saisi ou dit, et tel qui réagit comme ça, eh bien, c'est parce que émotion ça, ressenti ça, l'y tellement fort la kay li, eh bien, l'y fait l'y réagit comme ça. Donc, injustice fait que moun sa li en colère. Eh bien, réaction yo, yo différent dépendamment de chaque grain moun, mais cependant, genye kek bagay ki commun avec tout moun. Lorsque ou en colère, eh bien, généralement genye 4 bagay ou pral anvi fè. Puisque ou gon fòt pousse d'énergie lo en colère, eh bien, ou pral anvi krasé bagay de valeur, ou pral anvi jouré, fâché, donc li normal, ou pral anvi fè tèt ou mal, ou pral anvi fè lòt moun mal. Donc c'est naturellement, c'est des réactions qui normal dans situation de colère yo. Mais cependant, c'est des réactions lorsque ou pa rive géré yo, yo capable coûter au cher. Raison c'est parce que en pèl moun nan prison, c'est pas parce que yo volé, c'est pas parce que yo commet un crime. Mais malheureusement, il y a pile monde qui dans prison actuellement là, c'est parce que pas arrivé gérer émotion ça qui c'est la colère. Donc lorsqu'on pas arrivé gérer émotion ça, et bien émotion ça, li gérer de préférence émotion ça li capable couto toute la vie. N'a pour exemple ou émotion ça qui c'est la colère là. Admettons que yon moun fait un bagali pas doué faire. C'est vrai ou gen raison pour en colère parce que c'est une injustice que vous subi. Li normal, li tout à fait normal pour en colère pour ou manifester le tout symptôme de la colère, yo tant kou ou envie craser bagay de valeur, ou envie faire tête ou mal, ou envie faire l'autre monde mal, mais cependant ou besoin prend en pile précaution dans situation ça parce que émotion ça ou du moins sentiment ça, ressenti ça que ou gagnant généralement li passager. Ça me veut dire pas là. Dans situation que moun nan fò un bagay là, eh bien, ou gen une forte poussée d'énergie, naturellement ou envie craser ou envie briser, li tout à fait normal, mais si ou fò ti recul, ou pral wè que sentiment ça li a pesé, ou senti ça li a pesé au fur et à mesure. C'est vrai que quand gen des bagay que ou vive ou soit ou moun fè ou konn en colère pendant toute la vie ou. Mais cependant gen une réaction rapide là en colère que ou pral envie fè ou pral envie craser briser ou pral envie fè tête ou mal ou pral envie fè l'autre moun mal et c'est des bagay que ou pas doué fè parce que les ressenti ça faute pousser d'énergie ça li aller ou capable regretter toute la vie ou. Donc la kayfi yo nan situation kote ke yo gen émotion sa ki se la colère généralement yo di an pile bagay yo pa dwe di et nou bezwen fè attention mesdames parce que les nou pa an colère encore les sentiments sa ressenti sa li ale nou kapab regret ke nou te di moun nan sa ou soit nou te fè moun nan ou soit di moun nan des bagay vraiment ki fè moun nan mal et
naturellement après émotion ça ou soit après situation fin passé li kon très difficile pour moun sa li pardonner nous et que relation vin nous fon pas ka même gens encore donc c'est ça fait nous besoin faut ti recul lorsque nous en colère et kay garçon yo généralement yo kon puisque yo gen faute pour cette énergie dans situation côté que yo en colère et bien monsieur généralement ça yo kon fait yo kon craser bagaille de valeur admettons que yo fin acheter un bel téléphone qui coûte cher ou travail dit en pile donc pour acheter téléphone nan, et puis ou moun mette ou en colère rapidement sort fort prend téléphone nan ou crase téléphone nan c'est normal parce que on faut pousser d'énergie mais réfléchis bien parce que après émotion ça faut pousser d'énergie ça li fin passé ou capable regrette parce que ou a besoin travail encore pour acheter l'autre téléphone donc gon l'autre situation qui kon rive tout par exemple moun ki reme football en pile yo donc l'an cas où yo gen émotion ça qui c'est la colère et bien rapidement sans réfléchir puisque on faut pousser d'énergie yo râler télévision hein yo craser télévision hein et puis rapidement émotion li passé donc pendant émotion fin passé parce que on faut pousser d'énergie au fin énergie ça comme si c'est tout soit énergie qui négative ou besoin mettre le dehors très important lorsque on gen faut pousser d'énergie ça dans situation de la colère là et ressenti ça donc ou besoin mettre ressenti ça dehors mais cependant il y a une façon de faire ou besoin bien réfléchir qui gens pour mettre le dehors une façon pour pas faire tête au mal pour pas faire monde mal pour pas craser bagaille de valeur après pour regrette donc admettons que je nous t'as dit admettons que ou craser télévision hein, et puis après il y a bay un bel match football qu'on a besoin à regarder match ça qu'on y a pas obligé à kay voisin hein, et voisin gen droit dire ah mon cher à famille moi m'a regarder football là donc qu'on y a ouais ça crivé donc qu'on y a ou vinn pas gen télévision encore pour regarder match là c'est ça fait nous besoin bien réfléchir avec ressenti nous yo comportement nous réaction nous dans situation yo donc qu'on y a aucun dit oui, il est facile pour dire ça. C'est vrai, il est facile pour dire ça, mais la situation qui débarque mon feu, donc vraiment, il est pas aussi facile pour gérer émotion, pour gérer et émotion ça qui c'est la colère là. Mais il y a pile raison qui fait que ou obligé faire ça. Puis quoi raison, c'est parce que lorsque ou pas gérer émotion, eh bien relation avec l'autre monde vraiment pas même genre encore. Lorsqu'on pas gérer émotion, eh bien moun nan li capable pardonner ou, li ka toujours gen un bon sentiment pour ou. Mais cependant moun nan li capable pa vle gen un bon relation sa mavo encore parce que li ou tellement te blessé la relation ça le fait que ou te en colère ou pas gérer et colère ça eh bien ça ka vin fait que moun sa li prend un petit recul par rapport à vous par rapport avec amitié nous. D'où nécessité pour nous prendre soin de tête nous par rapport avec façon que nous réagir. Konya, j'en dis nous, émotion yo pas ni bon ni mauvaise, eh bien, ça nous besoin faire, nous besoin gérer yo. Par exemple, une façon nous capable de faire pour nous gérer émotion, ça qui c'est la colère. Premier bagay ou ka fè, dans situation côté que ou vivyon injustice, c'est prendre un petit recul. Ça vraiment, li pas facile, mais son bagay ou besoin réfléchir avec pour faire, prendre un petit recul. Pour ça, c'est parce que lorsqu'on petit recul par rapport avec situation, hein, eh bien, ou gagne plus capacité, plus énergie, ou gagne plus, ou capable plus réfléchir pour qu'on qui gens pour réagir par rapport avec situation difficile, ça par rapport avec injustice ça que ou vive là. Et puis un autre bagay ou ka fè tout ou besoin partager. Donc, gen yon bagay ke nou ka fè ki se RAP. Li di rap. C'est pas le rap créole haïtien, mais de préférence c'est reconnaître. Émotion yo, sentiment yo, nou besoin reconnaître yo parce que yo fait partie de la vie nou. D'abord, ou besoin reconnaître que ou gen émotion ça qui c'est la colère là, qui c'est R là, reconnaître sentiment ça. Et A, ou besoin accepter. Ou m'accepter que mon colère kounya, et bien puisque les mon colère nous sommes moun mais qui j'aime réagir les mon colère, et bien le fait que moi accepter que mon colère moi gen sentiment ça, ça permet que moi font un recul pour me pas réagir en façon qui ka fait
tête moins mal qui a fait l'autre monde mal et pour me pas craser bagaille de valeur moi yo après que m'oblige à travailler dur pour me réacheter encore. Et puis PA nous besoin partager. Donc partager ça veut dire que partager émotion ça avec un monde qui capable nous vraiment des conseils qui appropriés. Donc ça est extrêmement important de pas partager à tout le monde parce que dans cas que ou vivre injustice et puis on le partager avec un monde qui pas connait gérer émotion et puis monde va dire oh non elle pas supposé faire ça moi même si c'est moi même mais ça me t'a fait etc. et bien monde ça il vient faire plus mal que du bien parce que il vient faire plus envie réagir par rapport avec les sentiments ça qui c'est la colère là. Donc vous besoin partager mais avec des monde qui ca boire des conseils qui approprié qui ca aider et de calmer ou. Une bagaille au café tout c'est la manche. Donc là en colère puisque vous gagne forte poussée d'énergie et bien on capable faire sport. Et bien énergie négative ça pas oublier me dit que nous besoin mettre le dehors et bien là faire sport ou courir et bien ou retirer énergie négative ça qui en don là. Et après ou capable écrire ou capable danser ou capable faire des exercices physiques tout pour retirer énergie négative là. Et après énergie négative là li finale et bien après ou capable gain plus capacité ou ca calmer beaucoup plus pour ou faire face à situation difficile là. Et bien si c'est un monde ou vinn gain plus capacité pour ou aborder sujet avec moun nan yon façon ou pas dire des bagailles ou pas dwe dire et yon façon tout ou pas faire des bagailles ou pas dwe faire. Donc, ces émotions, il est facile pour me dire, mais cependant, lorsque nous mettons en application et tout ça nous dit, par exemple, rappeler, reconnaître sentiment, accepter sentiment, partager sentiment ça yo, et puis faire des exercices, mettre énergie négative ça dehors, mais cependant, mettre le dehors une façon qui positive après pour pas ni regrette ni pour pas perdre amitié ou soit relation ensemble avec l'autre monde. Donc c'est de ça nous t'ai parlé aujourd'hui dans rubrique là. Moi t'ai vraiment content ensemble avec nous. M'espérer que nous t'ai apprendre un bagage qui positif par rapport avec sujet ça qui c'est les émotions. Donc aujourd'hui nous t'ai ouais par définition qui ça émotion yé. Nous t'ai ouais différents types d'émotions qui gagnent, nous t'ai ouais et qui différence qui gagne entre émotion principale, émotion secondaire et en plus nous t'ai parlé un petit peu de émotion ça qui c'est la colère là. Donc dans prochaine émission hein, dans prochain rubrique là, nous pral gagner l'autre professionnel qui pral faire intervention sous l'autre émotion yo, par exemple sur la tristesse, sur la peur, sur la colère, le dégoût et la surprise. Donc c'était un plaisir pour moi ensemble avec nous. T'en prie, continuez, prends soin de tête nous, continuez à gérer l'esprit nous, continuez à gérer mental nous. Bye bye tout le monde.